de la tournée de la direction générale de l'ORTM dans les stations régionales. L'étape de Kuchala a été aussi sanctionnée par une rencontre avec les autorités régionales, la chefferie traditionnelle, les représentants de la société civile et les partenaires de l'ORTM. Elle a contribué à raffermir davantage les liens entre l'ORTM et ses partenaires pour plus de rendement en termes de recettes. Brima Kone. Cette rencontre initiée par la direction générale de l'ORTM dans le cadre de sa tournée dans les différentes régions du Mali se veut un espace du donner et du recevoir. À Kuchala, on a compris qu'il était nécessaire pour nous d'expliquer certaines situations, d'expliquer notre façon de faire au niveau de l'ORTM et d'inviter les uns et les autres à un partenariat gagnant-gagnant. Parce que l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les autorités régionales les collectivités, les opérateurs économiques, les ONG dans toutes les régions puissent prendre leur thème comme socle de leur communication. Un round spécifique avec les représentants des ONG a permis à la direction générale de l'ORTM de recenser certaines préoccupations de ses interlocuteurs. Hassan Baba Diombele a mis à profit le second round regroupant toutes les forces vives de Kouledjaka pour remercier les autorités régionales pour la bonne collaboration avec la station ORTM Kuchala. Il est confortant de signaler la bonne collaboration du personnel de la station régionale avec l'ensemble des autres acteurs de la région, ainsi que leur disponibilité chaque fois que le besoin se fait sentir. Monsieur le directeur, nous saluons le travail d'intérêt public dont votre équipe et vous-même vous acquittez avec beaucoup de professionnalisme et à la satisfaction des Maliens. Rappelons que le général Abdoulaye Cissé avait contribué en 2021 à renforcer les bancs de montage de l'ORTM Kuchala à travers la remise de 2 ordinateurs et 2 disques durs. Toutefois, nous avons encore besoin, entre autres, d'un véhicule de reportage, des caméras avec carte PD et autres accessoires. Ça a été très très utile de venir aujourd'hui à Kuchala, confier la petite structure de l'ORTM aujourd'hui à cette localité, à cette région. On a senti que les partenaires vraiment avaient un intérêt particulier à travailler avec l'ORTM. On a échangé de façon fructueuse avec ces partenaires-là et je crois que dans les jours, dans les semaines à venir, il y aura le fruit de ce partenariat-là que nous allons voir avec la signature de certains documents. Des visites de courtoisie ont été rendues à la chefferie traditionnelle, au maire, au président du conseil des cercles et au gouverneur.